Je vous présente le guide complet des défis récits annexes de Fortnite. Le premier défi va vous demander de voler les notes de terrain relatives à la Mysterious Coupe. Donc pour réaliser ce défi, vous avez 5 emplacements où vous allez devoir chercher des notes. Donc il y en a un ici, 3 ici en plein milieu et un là-haut. Donc je vais vous montrer à quoi ressemble les notes. Donc on va aller juste ici. En plus, regardez, c'est marqué par un point d'exclamation. Donc c'est facile à trouver. Donc ce que vous faites, c'est que vous allez près des notes, vous les récupérez. Voilà, vous les récupérez en interagissant avec et en faisant le dialogue. Alors ça, je sais pas si c'était des notes, je pense pas, c'était autre chose, je pense. Mais voilà, dès que vous aurez récupéré les 5 notes qui sont affichées sur la carte, ben là, vous aurez terminé le défi. Le prochain défi va vous demander d'aller voir Vénard pour trouver la coupe Cube Tastrophe. Alors, pour réaliser ce défi, vous allez juste vous rendre juste ici sur le gameplay. Et là, vous allez parler au personnage Vénard, qui est juste ici. Et dès que ce sera fait, ben là, vous aurez terminé le défi. Le prochain défi va vous demander d'examiner les pétroglyphes à Rumble Ruin. Donc pour réaliser ce défi, vous allez devoir vous rendre à Rumble Ruin juste ici. Voilà. Et là, vous allez tout simplement interagir avec le point d'exclamation qui est là-bas pour chercher des indices. Hop, vous examinez et là, vous aurez terminé le défi. Le prochain défi, c'est le même que celui qu'on vient de faire, sauf que l'emplacement est différent. Donc, c'est toujours dans les ruines. Hein. Je vais vous montrer où exactement. C'est juste ici, en dessous des ruines de Rumble, près de la rivière. Voilà. Vous interagissez avec le point d'exclamation, donc la pierre. Et dès que ce sera fait, ben vous aurez terminé le défi. Pour le prochain défi, vous allez devoir encore examiner les pétroglyphes qui se trouvent à Rumble Ruin, juste ici sur le gameplay. Bam. Rendez-vous à cet emplacement, interagissez avec la pierre et vous aurez terminé le défi. Et la quatrième étape du défi va vous demander encore pareil, sauf que le pétroglyphe se trouve de l'autre côté des ruines. Donc hop, vous vous rendez à cet emplacement, vous examinez la pierre et ensuite vous aurez terminé le défi. Ensuite, pour le prochain défi, vous allez devoir apporter les croquis à Vénard. Vous retournez à l'emplacement de Vénard, hein, qui est juste ici. Hop. Et là, vous lui apportez les croquis pour terminer le défi. Dès que ce sera fait, vous débloquerez les récompenses. Ensuite, vous allez devoir localiser la coupe à l'aide de la carte, donc qui se trouve juste ici à côté de Vénard. Vous interagissez avec. Hop. Et là, vous aurez terminé le défi. Alors, pour le prochain défi, vous allez devoir localiser la coupe à l'aide de la carte Vénard. Donc, on a déjà interagi avec la carte Vénard qui était juste ici. Maintenant, on va tout simplement aller là où il y a la loupe et nous allons chercher après la coupe. Donc là, je vais chercher et après, je vous dis si je la trouve. Ok, donc là, j'ai trouvé l'emplacement. Ce que vous allez devoir faire, c'est de vous rendre juste ici sur le gameplay. Il y aura une grotte comme ça. Et là, ce que vous allez devoir faire, c'est pour ouvrir la porte, il faudra donner une arme de niveau de rareté rare. Donc moi, je donne mon fusil sniper lourd qui est bleu, hein, de niveau de rareté rare. Et regardez, boum, ça s'ouvre. Ensuite, vous entrez dans la grotte et vous aurez terminé le défi. Alors, le prochain défi va vous demander de faire une offrande de 100 lingots d'or pour révéler la coupe cachée. Donc, pour réaliser ce défi, vous descendez juste en bas. Et juste ici à gauche, regardez, il y a un point d'exclamation. Donc, il faudra casser le rocher qui vous empêche de passer. Et là, vous allez tout simplement déposer les 100 lingots d'or. Dès que ce sera fait, vous aurez juste à prendre la coupe pour terminer le défi et débloquer les récompenses. Ensuite, vous allez devoir apporter la coupe à Vénard. Mais très important, vous ne devez pas mourir. Parce que si vous mourrez, vous allez devoir aller récupérer la coupe. Donc dès que vous aurez parlé à Vénard et que vous lui aurez donné la coupe, ben là vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Code créateur SCD.